Ça fait bizarre, demi-jauge, hein, quand même. Donc, bien. Monsieur le ministre, monsieur le président de la région, monsieur le président de l'agglomération, monsieur le maire, madame la rectrice, monsieur le préfet, monsieur le directeur régional des affaires culturelles, cher Jean-Noël Jeannet, mesdames et messieurs, chers amis, au nom de toute l'équipe qui a préparé ces 23e rendez-vous de l'histoire, je vous souhaite la bienvenue. Jean-Michel Blanquer, qui s'était annoncé pour la 4e fois consécutive parmi nous, a dû renoncer à nous rejoindre, le Premier ministre ayant exigé sa présence à ses côtés à Toulouse ce matin. Il s'en excuse et nous adressera un petit message vidéo avant l'exposé de Jean-Noël Jeannet. Ne soyez pas surpris, il évoque la présence dans la salle d'Édouard Philippe, mais ce dernier est actuellement retenu au Salon du Livre. Vous pourrez l'entendre ici même à 11h30 dans le cadre d'un dialogue avec notre ami Emmanuel Laurentin. Donc, comme chacun d'entre vous, j'ai douté de voir cette matinée arriver. Eh bien, nous y sommes. Certes, cette 23e édition de nos rendez-vous de l'histoire sera bien particulière, tant par les conditions qui ont présidé à sa préparation que par son déroulement très encadré par un protocole sanitaire strict que je demande à tous de bien vouloir respecter au plus près afin de garantir la sécurité et la tranquillité de chacun. Pour autant, nous en sommes là, et même si nous avons dû annuler certains événements initialement prévus, l'essentiel a été maintenu. C'est plus de 940 intervenants, 380 débats, tables rondes et conférences que nous aurons le privilège d'entendre. C'est plus de 230 éditeurs qui seront à Blois pour nous présenter leurs meilleurs livres. C'est 68 films, dont des avant-premières et des films rares du patrimoine que nous aurons le plaisir de voir. À toutes et tous, je dis merci d'être là, comme je dis merci à toutes celles et ceux, élus, services de l'État, partenaires et amis, qui nous ont prodigué leurs encouragements à tenir bon ces dernières semaines. Nous avons en effet choisi de maintenir les rendez-vous de l'histoire afin de montrer que malgré le virus, en prenant toutes les précautions nécessaires, il nous était néanmoins possible de continuer à réfléchir, à dialoguer, à débattre, à prendre plaisir à se retrouver ensemble, à continuer à vivre tout simplement. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon festival. Monsieur le préfet, je voudrais saluer nos premiers ministres présents, donc monsieur le Premier ministre Richard Ferrand, qui nous fait l'honneur de sa présence, qui est actuellement au Salon du Livre. On sait son amour pour le livre. Et puis saluer aussi un ancien Premier ministre, cher Bernard Cazeneuve, merci de ta présence à nos côtés. Saluer mesdames les ministres, monsieur le ministre, alors, ministre de notre département, on peut dire, cher Marc, merci de ta présence à nos côtés ce matin, une présence régulière et c'est toujours avec évidemment beaucoup de plaisir que nous t'accueillons. Mesdames et messieurs les parlementaires, madame la rectrice et à vos côtés madame la directrice académique de notre département, monsieur le directeur régional des affaires culturelles, mesdames et messieurs les représentants des différents services et administrations de l'État, monsieur le président de région, cher François, monsieur le président du conseil départemental, ou sa représentante, parce que je n'ai pas vu Nicolas Perruchot arriver, monsieur le président de notre agglomération de Blois, cher Christophe, mesdames et messieurs les élus, monsieur le président du conseil scientifique, cher Jean-Noël Jeannet, mesdames et messieurs les enseignants, mesdames et messieurs, chers amis. Comme Francis Chevrier vient de le préciser, le ministre de l'Éducation nationale s'est excusé cette année,
mais je remercie par avance tous les ministres et secrétaires d'État qui nous honorent et nous honoreront de leur présence ce week-end. Nous sommes là, vous êtes là, moins nombreux que d'ordinaire, équipés de masques, à distance les uns des autres, mais la Covid-19 n'aura pas eu raison de la nouvelle édition des rendez-vous de l'histoire de Blois. Comment nous réjouir de nous retrouver quand jusqu'aux derniers instants a pesé la menace de l'annulation ? Comment célébrer pleinement le plus grand festival d'histoire du pays quand, en plus de la maladie, la SNCF organise des travaux qui bloquent le trafic ferroviaire entre Paris et Blois ? Comment phosphorer autour du thème, encore une fois parfaitement choisi par le Conseil scientifique et son président Jean-Noël Jeannonnet, quand il nous faudra, tout au long du week-end, penser à contrôler les jauges, se laver les mains régulièrement, respecter la distanciation physique et les gestes barrières. Je tiens à cet égard à rendre un hommage tout particulier aux équipes des rendez-vous de l'histoire, leur président Antoine Favron, le directeur Francis Chevrier et bien entendu l'ensemble des personnels et bénévoles qui ont œuvré d'arrache-pied pour cette édition très particulière. Rendre hommage également à l'ensemble du corps enseignant, et je sais que vous êtes nombreux ici, le corps enseignant qui, au cours du confinement et depuis, parfois dans des conditions erratiques, continue de diffuser le savoir et les méthodes pour faire de notre jeunesse une jeunesse éclairée et citoyenne. Un grand merci à vous toutes et vous tous. Malgré tout, malgré cela, nous sommes là, vous êtes là, et cette édition sera extraordinaire au sens premier du terme. Faisons contre mauvaise fortune bon cœur et espérons, agissons pour que cette situation n'ait plus à se renouveler dans le futur. Pour y parvenir, il faudra gouverner, et sans aucun doute, gouverner autrement. Comment le Conseil scientifique a-t-il pu avoir l'intuition qu'en 2020, ce mot, ce concept de gouverner, allait être si durement interrogé ? Comment gouverner a-t-il pris un sens complètement nouveau quand, pour la première fois de l'histoire de l'humanité, à ma connaissance en tout cas, les gouvernants de très nombreux pays du monde ont mis un coup d'arrêt net et brutal de plusieurs mois aux activités économiques, aux transports aériens, au passage des frontières, aux activités culturelles et sportives, aux loisirs, au plaisir des retrouvailles dans les bars et les restaurants, mais plus encore ont limité nos déplacements, nos occasions de voir nos familles, nos amis, allant même jusqu'à ne pas pouvoir veiller nos morts ou accompagner ceux qui, malades ou dépendants, étaient en souffrance. Gouverner, c'est choisir. Et en 2020, de nombreux choix ont été cruels. D'autres, sans doute, restent à venir. Cette crise sanitaire a mis en lumière, dans un contexte très exceptionnel, les difficultés de gouverner. Gouverner, c'est prévoir. Ne rien prévoir, c'est pas gouverner, disait Émile de Girardin. Il est certain que cette année, cette maxime signe une forme d'échec infligé aux gouvernants du monde qui ne vient que renforcer cette défiance grandissante à l'égard des formes de gouvernance et des gouvernements politiques en particulier. Quand on cherche sur Internet ce qui suit après, gouverner, c'est... On trouve peu de positifs. Gouverner, c'est donc prévoir, mais c'est aussi mécontenter, contraindre, parler, décevoir, faire croire. Et j'arrête ici cette litanie peu réjouissante de ce que l'on disait il y a quelques siècles comme étant un art. Gouverner est largement entendu et compris aux échelles nationales et planétaires. Ce ne sont pas celles que je fréquente, ni celles où j'exerce. Mon engagement à gouverner, pour ce qui me concerne, est ici, à Blois, ville de 47 000 habitants. Et ici aussi, il a fallu gouverner en temps de crise sanitaire, et demain dans la sortie d'une crise dont nous ne mesurons encore que peu les conséquences lourdes et durables. Machiavel disait que la chance est la maîtresse de la moitié de nos actions et nous en laisse presque gouverner l'autre moitié. Cette autre moitié, j'ai la fierté immense et l'honneur tout autant de l'exercer depuis 2008. Gouverner, c'est difficile, mais qu'est-ce que c'est beau ! Gouverner, c'est agir, et pour agir, c'est s'imposer le devoir permanent d'entendre et de comprendre les situations, mais surtout les femmes et les hommes qui vous ont confié par le suffrage cette mission. Gouverner, c'est faire le tri entre les aspirations individuelles et la définition d'un chemin garantissant d'abord l'intérêt commun, collectif ou général.
celui qui satisfait le plus grand nombre, sans jamais heurter, humilier ou blesser ceux qui ne le seront pas. Gouverner, c'est transformer un espace, un quartier, une ville, un rapport à l'autre. C'est lutter contre les injustices, favoriser les épanouissements et finalement voir de façon tangible son utilité aux autres, au monde. L'exercice du gouvernement, c'est aussi l'acceptation de porter et supporter les colères, les insatisfactions et les frustrations. L'art de gouverner, c'est aussi tenir ses engagements en partageant souvent ce qui rend la décision difficile à prendre. Napoléon disait qu'il est bien difficile de gouverner quand on veut le faire en conscience. Je crois l'inverse. Quand on le fait en conscience, que l'on considère qu'à force d'éducation et de pédagogie mieux partagée, de temps passé à mettre les projets et les décisions en perspective, d'accepter le tiraillement permanent du doute et la capacité à assumer ses erreurs qui l'accompagnent, gouverner reste une capacité à entraîner et convaincre que vivre ensemble n'est pas vivre côte à côte. C'est en tout état de cause ainsi que je m'efforce de le faire. Je ne voudrais pas en donner une version idyllique ou idéalisée, car les maires, qui sont à portée directe d'engueulade, vivent eux aussi cette défiance grandissante et parfois subissent les coups portés à leur intégrité physique, quand ce ne sont pas, plus souvent encore, les menaces ou les injures régulières. Mais on ne va pas les plaindre, ils l'ont choisi et s'en mettent plein les poches. Cette pensée, entre guillemets, existe. Elle est injuste et fausse, mais elle vient forcément de quelque part et ne saurait être limitée à un niveau intellectuel jugé trop bas de nos mandants. Gouvernants et gouvernés, nous avons tous du chemin à faire pour combler ce fossé abyssal qui se creuse. Aujourd'hui, comme ce fut le cas hier, a fortiori en temps de crise, sont tapis dans l'ombre, mais de plus en plus sous la lumière des esprits pervertis qui attendent pour installer et exercer des pouvoirs tyranniques et démagogiques. Soyons toujours vigilants, et ces rendez-vous 2020 vont, je le souhaite en tout cas, nous aider à construire de nouvelles façons de gouverner, car comme le disait Goethe, quel est le meilleur gouvernement ? Celui qui nous apprend à nous gouverner nous-mêmes. Bon festival à tous. Monsieur le ministre, cher Marc, un grand plaisir de te retrouver ce matin ici en terre blésoise. Un grand plaisir, comme vient de le dire notre Marc Ricourt, maire de Blois. Grand plaisir d'avoir croisé ce matin Édouard Philippe, Bernard Cazeneuve. Grand plaisir d'accueillir autant de ministres ici, mais aussi un grand plaisir de vous saluer, monsieur le préfet, madame la rectrice, de saluer les parlementaires qui sont nombreux ce matin, de saluer le président d'Aglopolis, très impliqué dans l'organisation de ces rendez-vous, de saluer Jean-Noël Jeannenet, qui, dans la conduite du conseil scientifique, fait avec l'ensemble de ceux qui l'entourent de cet événement un événement culturel majeur. Très heureux également de retrouver ici Francis Chevrier, très, très, très impliqué, à qui nous devons beaucoup pour cette organisation. Et puis, très heureux de vous retrouver tous, historiens, chercheurs, enseignants, passionnés d'histoire, de vous retrouver pour ce moment si particulier. Blois, en fait, toute une ville, toute une agglomération, complètement mobilisée, un festival qui va porter véritablement des messages d'année en année, 23e édition, c'est considérable. Blois, capitale de l'histoire, Blois,
à travers l'histoire, capitale de la culture. Blois, lieu de toutes les rencontres, de tous les échanges, de tous les bonheurs, de tous les plaisirs, quand il s'agit de croiser les idées, de s'enrichir, de s'écouter. C'est très sincèrement, je le dis à Jean-Noël Jeannenet, je le dis avec la même force à Francis, je le dis aux élus de cette ville, je le dis à tous ces bénévoles qui travaillent à cela, c'est un moment très particulier, si particulier, comme tu le disais, Marc, à l'instant, si particulier dans ce moment. Tout conduit, pour des raisons sanitaires, à prendre beaucoup de précautions. Et nous avons connu le prix de l'isolement, le prix du silence dans cette période qui est une période où les gens ont vécu repliés, ont vécu sans ces contacts. Je vous livre, parce que cela m'a marqué, je vous livre une expérience récente. Dans mon boulot de président de région, je suis allé, comme je le fais chaque année, Madame la rectrice, et comme vous le faites, je suis allé à la rencontre d'une trentaine de lycées. À chaque fois, je proposais au proviseur de permettre une rencontre avec des enseignants et avec des lycéens. Et je leur posais cette question, la rentrée, c'est quoi pour vous? Et je m'attendais à ce qu'ils me disent, on est content, on retrouve nos copains. Et au-delà de ça, ils disaient, on est content parce qu'on retrouve nos copains, mais on retrouve notre lycée, mais on retrouve nos profs, on retrouve le bonheur d'être ensemble, le bonheur d'être ensemble. Oui, il nous faut faire cohabiter l'absolu précaution, l'absolue sécurité, mais aussi ces moments essentiels de rencontre, ces moments essentiels où nous pouvons croiser nos intérêts, nos passions, nos regards. Merci, merci d'avoir fait ici à Blois la preuve qu'on pouvait, dans cette période difficile, vivre des moments de partage, des moments d'émotion. La thématique choisie, gouverner, convoque bien évidemment les historiens, ils sont nombreux, mais elle convoque si directement, comme tu viens de le dire, Marc, si directement les enjeux du présent. C'est peut-être la raison, d'ailleurs, pour laquelle autant de ministres vont venir ou d'anciens ministres vont venir tout au long de ces rendez-vous de l'histoire. C'est peut-être la raison pour laquelle autant de responsables engagés dans la vie politique, la vie de nos formations politiques, la vie citoyenne vont venir dans ces rendez-vous de l'histoire. Oui, nous avons besoin du regard de l'histoire, du regard des historiens pour éclairer ce qui se passe aujourd'hui dans nos vies, dans nos villes, dans nos États. C'est absolument fondamental à un moment où, globalement, nous devons le dire, la notion, l'acte de gouverner est profondément interrogé. L'abstention galopante. Au départ, nous disions, pour des élections qui sont loin de nous, les élections européennes, force est de reconnaître que rien n'est gagné et que, y compris lorsque nous sollicitons le rapport entre le citoyen et celui ou celle qui sont appelés à les gouverner, eh bien, le doute l'emporte parfois et c'est quelque chose de préoccupant. Interroger aussi, en raison de la complexité institutionnelle, gouverner hier, peut-être que la visibilité que nous en avions du rapport entre la décision du gouvernant et le citoyen était plus facile à circonscrire, à percevoir, que l'on ressentait plus facilement la possibilité d'agir sur. Aujourd'hui, la complexité institutionnelle, elle est réelle à l'échelle de nos villes, elle est réelle dans le rapport entre l'Europe et les États. Gouverner, c'est bien évidemment accepter une revendication actuelle qui est une revendication d'une plus grande citoyenneté, d'une plus grande participation. Cette revendication, elle est heureuse, elle doit être fertile, elle doit nous aider à concevoir des modes de gouvernement, des modes de consultation, des modes de participation, des modes d'élaboration de la décision qui sera mise en place, qui soit de plus en plus marquée par la démocratie. Gouverner, c'est complexe. Et je renvoie, comme tu le faisais, Marc, à une considération toute actuelle. On a entendu, et les journalistes l'ont porté avec beaucoup de force, on a entendu une interrogation quand il s'agit dans cette période du rapport entre les gouvernants, les ministres, le gouvernement et les scientifiques.
qui doit décider ? C'est quoi le gouvernement ? Est-ce que, finalement, on n'a pas, étant donné la complexité des sujets qui nous sont présentés, un rapport aux conseillers, un rapport aux conseillers qui finit par brouiller le rôle du conseiller et le rôle du décideur et le rôle du gouvernant. Oui, la notion de gouvernement, elle est aujourd'hui très largement interrogée. Interrogée, alors, aussi, dans le rapport aux politiques, le doute qui est exprimé à l'égard des formations politiques, qui sont pour autant des creusets essentiels pour que puissent s'élaborer des visions du monde, des propositions pour changer les choses, ce regard-là vers les formations politiques, quelles qu'elles soient, est un regard aujourd'hui extrêmement critique. Il faut aussi considérer, je le pense, que cette interrogation sur le gouvernement, elle n'est pas que une interrogation sur le politique et sur l'institutionnel. Elle est une interrogation qui, bien évidemment, touche les collectivités territoriales, mais au-delà de cela, elle est une interrogation sur la responsabilité de celles et de ceux qui, dans l'entreprise, voire dans l'association, vont prendre des responsabilités et tenter de les mettre en œuvre. La verticalité du gouvernement, la vision lointaine, autoritaire, la vision populiste sont des visions qui sont aujourd'hui largement interrogées. Et je crois que poser ce thème, c'est en effet nous aider à réfléchir, nous aider à progresser, nous aider à voir comment, dans l'histoire, le gouvernement, les pratiques de gouvernement ont pu être éclairées. Comment, dans l'histoire, nous avons des phases où la démocratie a progressé et d'autres phases où la démocratie a régressé. Nous avons, dans l'histoire, à plusieurs moments, l'émergence de populismes qui ont parfois conduit au pire. Comment, aujourd'hui, alors que nous sommes confrontés à des enjeux qui sont des enjeux massifs, planétaires, si on prend les enjeux de l'environnement, massifs, planétaires, si on prend les enjeux démographiques, massifs, planétaires, si on prend les enjeux technologiques, comment situer le gouvernement dans un rapport qui soit un rapport de compréhension, d'adhésion, qui soit aussi un rapport qui engage la créativité collective. C'est de tout cela que vous allez, que nous allons parler, c'est autour de toutes ces valeurs, autour de tous ces enjeux que des intellectuels, des responsables politiques, des femmes et des hommes aujourd'hui en responsabilité de la chose publique vont pouvoir parler, vont pouvoir mettre en cause, vont pouvoir, je le pense, par rapport à ça, nous aider à tracer de nouveaux caps. Alors oui, nous avons résolument besoin des rendez-vous de l'histoire parce que c'est heureux de réfléchir, c'est heureux de mettre l'intelligence au cœur lorsqu'il faut tracer des voies nouvelles, et c'est heureux de le faire ici en Centre-Val de Loire. Nous le savons, cette région, cette ville, ce sont régions, villes d'histoire, mais aussi régions, villes de culture. Aujourd'hui, avec les rendez-vous et avec cette thématique, Blois tient toutes ses promesses. Merci de votre attention. Je vous propose d'écouter le petit message d'amitié que nous adresse en vidéo Jean-Michel Blanquer, qui malheureusement ne peut pas être là ce matin. Et puis ensuite, nous aurons bien sûr le bonheur d'entendre l'exposé de Jean-Noël Jeannet. Monsieur le Premier ministre, monsieur le préfet de Loire-et-Cher, messieurs les parlementaires, messieurs les présidents du conseil régional, du conseil départemental et d'agglomération, monsieur le maire, madame la rectrice, madame la directrice académique du Loir-et-Cher, monsieur le directeur des rendez-vous de l'histoire, monsieur le président du conseil scientifique, cher Jean-Noël Jeannet, monsieur le président et monsieur le directeur général de la CASDEN, mesdames et messieurs les professeurs, mesdames, messieurs. Comme vous le savez, chaque année, je suis très heureux de répondre à l'invitation des rendez-vous de l'histoire de Blois. Parce qu'à Blois, il y a tout ce qui fait le sens le plus profond de la vie, finalement. La joie de se retrouver, la présence de savants exceptionnels, la passion de la transmission,
l'histoire, les livres. C'est pourquoi je viens chaque année, même avant d'être ministre, et encore plus depuis que je suis ministre. Cette année, pour la première fois depuis 2017, une contrainte d'agenda m'empêche malheureusement de venir vous voir. Je dois être à Toulouse avec l'actuel Premier ministre pour une visite, évidemment, où je dois l'accompagner. Mais j'aurais eu plaisir à être avec vous tous je tenais évidemment à l'être un peu par le truchement de cette vidéo. Je vous envoie donc ce petit salut amical, car depuis 3 ans, vous le savez, au ministère de l'Éducation nationale, qui est maintenant le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, nous approfondissons d'année en année le soutien apporté à ce magnifique festival. Donc c'est d'abord un message de gratitude que je veux vous adresser pour l'engagement de vous tous qui rendez possible ces rendez-vous de l'histoire de Blois. C'est désormais un moment important pour la région, pour le département, pour la ville. Et je veux donc adresser un salut aux élus qui sont dans la salle et qui font vivre notre démocratie, mais aussi la vie quotidienne des territoires. C'est un moment fondamental aussi pour tous les amoureux de l'histoire et particulièrement pour les professeurs d'histoire que je veux aussi très chaleureusement saluer. Il y a 45 000 environ professeurs d'histoire et chaque jour, ils transmettent l'intelligence du passé pour susciter la clairvoyance de l'avenir et faire la relation entre le temps et l'espace. Dans mon message, il est aussi un message par lequel je veux souhaiter à vous tous de tirer le meilleur de ces 3 jours faits de rencontres, de conférences, de débats. Les rendez-vous de l'histoire de Blois sont à l'image de ce que nous voulons pour notre école, c'est-à-dire l'alliance entre le meilleur de la recherche et le meilleur de la pédagogie. Et c'est parce que nous réussirons cela que nous donnerons confiance à nos élèves pour relever les défis de leur génération. Enfin, le message est un message de félicitations pour le choix du thème de cette année. Je me souviens de notre discussion de l'année dernière, quand encore plusieurs thèmes étaient possibles. Vous avez choisi le thème « Gouverner », ça aurait été évidemment une raison supplémentaire pour être avec vous. Il y aurait matière à disserter longuement sur le gouvernement de soi et des autres. La réflexion sur le bon gouvernement est menée avec une constante intensité depuis la philosophie grecque et au-delà même. En République, gouverner consiste à se mettre au service de l'intérêt général. Vous le savez bien, vous qui professez aux élèves un enseignement moral et civique, en plus de l'histoire et de la géographie. Et vous savez bien que tout cela est au fondement du projet républicain, que cela a une forte actualité et que l'amélioration de l'existence spirituelle et matérielle des hommes est une œuvre nécessairement collective qui passe par la transmission, qui passe par l'éducation, qui passe par la connaissance de l'histoire. La République n'est pas l'addition des spécificités de chacun, ni des intérêts particuliers, ni des différences, mais l'expression de ce que nous avons en commun, qui permet justement qu'il existe des différences, mais en insistant aussi sur ce qui nous relie, sur ce qui nous rassemble, ce qui nous permet à chacun de nous hisser au-dessous de nous-mêmes, parce que précisément nous avons l'espace public, l'espace commun, la chose commune. Dire cela, c'est dire la responsabilité qui repose sur l'école. Car les écoles et les classes qui composent notre école, notre institution, sont finalement comme des petites républiques dans lesquelles l'élève apprend à se respecter, à respecter les autres et à comprendre combien les valeurs de notre République sont émancipatrices. C'est aussi là que les enfants développent leur raison, grâce à l'apprentissage rigoureux de la langue, des mathématiques, des sciences, et évidemment toutes les autres disciplines qui donnent l'acuité nécessaire pour déjouer la force des apparences et distinguer le vrai du faux. Et précisément, telle est la vision humaniste que porte la République, susciter chez chacun le meilleur de lui-même pour mettre ce meilleur au service de tous les autres. J'ai eu l'occasion de parler fréquemment de ça avec Jean-Noël Jeanneney en particulier, y compris sur les ondes de France Culture, et pour parler de la France ou d'autres pays. Parce que ces réalités de l'éducation sont des réalités de toujours et de partout. Et donc le modèle républicain doit nous rendre fiers, parce que c'est un modèle qui est valable pour le 21e siècle. Je suis heureux de dire ça aussi devant toi, cher Édouard, puisque sans aucun doute, tu es aussi un passionné des livres et de l'histoire, et ta présence aujourd'hui le signifie. Merci donc à vous toutes et à vous tous pour votre participation à ces rendez-vous. Une fois encore, ils promettent d'être exceptionnels. J'aurais aimé y être physiquement, mais en tout cas, j'espère bien être là l'année prochaine, et je vous souhaite à vous tous un très bon festival. Merci beaucoup.
Eh bien non, non, nous ne nous hausserons pas du col. Nous ne prétendrons pas que lorsque nous avons choisi ce thème, gouverné par une lucidité admirable, nous aurions prévu que les événements les plus récents jetteraient une lumière spécifique sur ce qui nous réunit aujourd'hui. Non, nous ne le savions pas, mais dans le même temps, nous disons que la crise de la Covid, de ce virus ennemi, nous permet de mettre en relief toutes les motivations qui a poussé le Conseil scientifique dans son extrême sagesse et dans sa grande sagacité à choisir le thème de gouverner, dont on vient déjà de nous dire abondamment à quel point il pouvait susciter de réflexions et de très riches considérations pour tous, pour les citoyens, mais naturellement aussi pour les historiens qui sont ici rassemblés, qu'ils aiment l'histoire ou qu'ils aiment à l'enseigner et à l'approfondir. Cet événement de la Covid nous pousse à réfléchir d'abord sur ce que la proximité d'un événement peut impliquer à l'historien. Nous ne pensons pas que nous, je viens de le dire, que nous puissions prévoir l'avenir. Mais nous estimons depuis un certain nombre de décennies que les historiens ont vocation à considérer sous la lumière de leur spécifique discipline, d'autres pourraient y contribuer, à considérer un événement aussi bouleversant que celui que nous venons ensemble de vivre. Nous ne croyons plus que la grande distance assure assurément l'objectivité ou la sérénité. Je me rappelle que quand nous étions étudiants, on nous racontait toujours que Jérôme Carcopino, grand maître des études romaines, que Jérôme Carcopino, parlant à un de ses disciples qui s'apprêtait à travailler sur l'époque de la République, lui a dit « Cicéron, méfiez-vous de lui, c'est un fourbe !» Vous voyez que la distance n'assure pas assurément qu'on se libère de la passion possible. Mais enfin, je crois que ce qui est éclairant et intéressant et stimulant dans l'événement qui vient de nous réunir, c'est d'abord qu'il peut conduire à la problématique même qui est celle de nos travaux constants. Je veux dire, le commerce que nous entretenons toujours entre l'espace et nous, la durée et nous. Il suscite des curiosités inédites. Qui aurait dit que nous prêterions autant d'attention cette année à la grande question des relations entre les gouvernants et les experts ? Tous les citoyens et toutes les citoyennes ici rassemblées ont eu l'occasion de se demander comment s'organiser ce dialogue entre, d'un côté, les responsables, les ministres, et de l'autre, ce conseil scientifique. Il y a eu des évolutions. Au début, parfois, on a eu le sentiment que les gouvernants allaient s'en remettre à la science supposée parfaite des médecins et des chercheurs. Et puis, les choses ont évolué. Du temps de Napoléon, il y avait déjà des rapports tout à fait intimes entre le monde de la recherche et les savants et le gouvernement, mais Napoléon avait toujours remarqué que c'était lui qui, finalement, à la fin des fins, trancherait. Je crois qu'on est en train d'y revenir, d'ailleurs, puisqu'on a découvert que les incertitudes qui sont intrinsèques au gouvernement se retrouvent aussi parfois dans les débats entre les savants auxquels nous sommes si attentifs. Je parlais de l'espace, et je parlais de la durée. Nous trouvons, évidemment, dans le cas du virus, toute une réflexion sur le côté à la fois planétaire de cet événement bouleversant et en même temps l'intérêt que l'historien aura à porter sur la manière dont chaque collectivité nationale, régionale, municipale, la manière dont chacun pourra avoir à affronter ce défi formidable et parfaitement imprévu. C'est assurément la question de la durée aussi qui se retrouve, puisque nous avons découvert l'inattendu, l'irruption de la contingence, dont nous sommes accoutumés de savoir qu'elle est toujours très importante en commerce avec les forces profondes qui constituent chaque conjoncture. La durée, nous voyons bien qu'en janvier dernier, si on fait une anthologie des différents articles prévoyant ce que serait l'année 2020, on trouverait assez peu de prévisions lucides. Et en même temps, la durée, c'est aussi les comparaisons qui ont été faites abondamment avec les événements précédents du même type. Je pense en particulier
à toutes les pestes et toutes les épidémies qui, dans le passé, ont bouleversé les sociétés. Donc, vous voyez, cet événement de la Covid nous mène, je crois, à ces deux composantes qui sont constamment, pour nous, présentes. Je veux dire, l'espace et la durée, ce sont les interlocuteurs normaux de notre réflexion savante et civique. L'espace, puisque nous allons avoir à parler de gouvernement constamment, on aura à y réfléchir. La dimension, d'abord, tout simplement, des communautés qu'il s'agit de gouverner a été tellement variable. Il est encore tellement variable depuis le village, la ville, le département, les nations, et puis cette opposition dans l'histoire entre d'un côté les empires à prétention éventuellement universelle, c'est vrai pour le pouvoir temporel et c'est vrai aussi pour le pouvoir spirituel. Une Église catholique a une ambition universelle, d'autres aussi. Il y a donc cette ambition-là, il y a en même temps l'évidence de la proximité immédiate, ce que cela comporte de ressemblance et de différence. Gouverner un empire, cela suppose que l'on gouverne l'espace et que l'on retrouve aussi tous les effets de l'évolution technique et scientifique sur la manière de gouverner les hommes. Penser que l'empire Inca, qui a été si influent et si fort, était gouverné à partir du centre par des ordres qui étaient portés par des coureurs à pied qui parcouraient 30 km. Et puis, une fois qu'ils avaient perdu leur souffle, passaient le message à d'autres. Et c'est ainsi que s'organisait la toile d'araignée de la volonté des dirigeants et des gouvernements. Et c'était un des défis pour cela, précisément, qu'avoir affronté l'espace. Je sais qu'avec vous, vous avez consulté notre splendide programme, que c'est un aspect des choses que nous aurons souvent à trouver, dont nous aurons souvent à traiter. Il y a l'espace et puis naturellement il y a la durée. Et à cet égard, je suis frappé en reprenant l'ensemble des propositions qui vous seront faites, table ronde, conférences, etc., de voir qu'on trouve très souvent une opposition entre deux philosophies de l'histoire, je veux dire la philosophie de l'histoire vue comme un cycle et la philosophie de l'histoire vue comme une linéarité. Pensez donc qu'il y a un quart de siècle seulement, après la chute du mur, après la chute de l'URSS, un savant, un politiste américain, Francis Fukuyama, avait obtenu un succès quasiment universel à partir d'un seul article où il parlait de la fin de l'histoire. Il ne voulait pas dire par là que, Dieu merci, Blois allait s'arrêter prochainement, ce n'était pas question, sinon nous l'aurions, ce Fukuyama installé une sorte de marionnettes en paille que nous aurions criblé de nos fléchettes. Donc ce n'est pas ça du tout dont il s'agit. Il expliquait tout simplement qu'après la chute des totalitarismes à l'Est, eh bien, le monde allait s'installer tout doucement, de façon linéaire, en marche vers un système démocratique qui serait pour l'essentiel fondé sur une copie des États-Unis d'Amérique, idéal extrême d'une démocratie absolue. Le chemin a été accompli qui a conduit à voir que c'était une faribole, c'était une bilvésée, cette idée qu'on arriverait à une fin de l'histoire. Comme il prenait l'image des chariots allant vers la frontière, toujours plus à l'ouest, dans les États-Unis d'Amérique. Quelquefois un chariot s'égarait, mais pour l'essentiel on atteignait le but, et le but c'était la démocratie à la manière américaine. Linéarité, nous en sommes assez largement revenus. D'autres pensent plutôt à l'histoire comme un cycle, et vous allez voir que nous aurons naturellement, dans nos rencontres, à réfléchir au dialogue qui s'installera entre la dictature et la démocratie, et qu'il est bien difficile de suivre Fukuyama et de penser que la seconde va progressivement l'emporter sur la première. Nous aurons à constater, j'imagine, qu'il y a des sortes de cycles entre les gouvernements les plus autoritaires et parfois les plus totalitaires et l'émergence de cette donnée formidablement fragile et qui nous est si chère, qu'on appelle la démocratie. Il y a là une, une,
sorte de dialectique qui, en particulier, est scandée souvent par le phénomène de la guerre. Nous aurons beaucoup à parler des relations entre la guerre et le gouvernement, pas seulement parce que nous rappellerons que le principe essentiel que les armes doivent céder à la toge a connu dans l'histoire beaucoup d'exceptions qui peuvent également nous éclairer sur des périls contemporains. Pas seulement de ce point de vue-là, mais parce que la guerre et la paix, ce sont deux composantes fondamentales d'une réflexion sur la manière de gouverner les hommes. Tout change. Tout change dans le rythme aussi, dans le rythme, l'immédiateté, hein, des défis. On a parfois comparé, c'est la guerre, vous rappelez probablement le propos de nos gouvernants, on a comparé 1914 à aujourd'hui, et il y a effectivement des points communs. Le changement immédiat de toutes les données, parmi lesquelles les gouvernants auront à déterminer leur chemin et à imposer leur didactisme, si possible démocratique, là, il y a là vraiment un changement de rythme qui est fondamental. On dit aussi souvent, c'est plus pacifique, que tout gouvernement, en tout cas en démocratie, doit réfléchir à l'état de grâce, c'est-à-dire qu'il doit considérer que les premiers temps, les premiers jours, les premières semaines, à rigueur les premiers mois de sa prise de pouvoir peuvent être ceux où la glaise est encore molle, où il pourra imprimer sa volonté et possiblement être fidèle à un certain nombre de propositions antérieurement faites. Donc il y a là une composante fondamentale qui est celle de la durée. La durée, nous parlons bien sûr, nous aurons beaucoup à parler des gouvernants, mais on ne peut pas parler, cela a été dit tout à l'heure, des gouvernants sans parler des gouvernés. Et la relation particulière qui s'entretient toujours entre ceux que soit la force, soit la volonté démocratique a désigné pour nous représenter et nous diriger sous notre contrôle, nous autres citoyens, que cette dialectique est fondamentale. Et il y a de l'approbation, il y a aussi des haines qui s'accumulent, qui se lient parfois à des formes spécifiques de la communication. L'évolution des nouvelles technologies nous feront réfléchir, bien sûr, à la relation qui s'installe toujours entre l'art du gouvernement et la manière de faire circuler les idées, les volontés et souvent aussi les protestations, les hargnes, les refus du côté des gouvernants. Il y a là un autre sujet de réflexion. Vous trouverez plusieurs de nos rencontres qui s'efforceront de jeter de la lumière sur cet aspect des choses. On travaille dans le concret quand on réfléchit aux relations entre les gouvernants et les gouvernés. Que se passe-t-il ? Quels sont les effets au quotidien et dans la longue durée des décisions qui sont prises, mais aussi, bien sûr, on est dans l'ordre des représentations. Et nous savons, comme historiens, que les idées, qu'elles soient vraies ou fausses, deviennent à leur tour des moteurs de l'histoire, que l'histoire telle qu'elle est pensée, rêvée par les gouvernants et par les gouvernés, est elle-même un facteur fondamental de l'histoire. Nous allons le retrouver. Il y a un sujet que je trouve tout à fait passionnant en démocratie, c'est de considérer quelle est la culture historique des gouvernants successifs. Prenez les présidents de la République, il y a un joli travail à faire, je crois, depuis, bornons-nous à 1958, de voir quelles compétences, quelles connaissances les différents chefs de l'État que nous avons choisis peuvent avoir du passé et de la manière dont ce passé peut les éclairer. Je crois que vous trouveriez de grandes différences et des sujets de réflexion presque à l'infini. Et après tout, on aurait le droit, puisque nous aurons un jour à en choisir d'autres, de prendre cela, nous autres gouvernés, comme un des critères possibles de l'élection que nous ferons de l'un ou de l'autre. Il y a donc au cœur des choses cette dialectique variable également selon le temps, entre les gouvernants et les gouvernés, lors des représentations. Nous avons tout le domaine passionnant qui est celui de la connaissance que les gouvernants ont des gouvernés et que les gouvernés ont des gouvernants. C'est parfois dans l'ordre d'une très saine pédagogie démocratique. Mais c'est aussi le champ de toutes sortes de rumeurs, de passions, d'incompréhensions du côté des gouvernants, d'efforts de propagande. La propagande est un sujet majeur de nos rencontres de cette année. La propagande et le didactisme. Un mot que j'emploie à nouveau, qui me paraît fondamental en démocratie. Il n'y a pas de gouvernement sans didactisme, mais il peut y avoir aussi de la propagande et il peut y avoir des efforts pour
pesé par le mensonge sur l'adhésion ou le refus des peuples. Secret, mensonge d'un côté, vérité, transparence. Vous voyez bien l'importance que ces thèmes peuvent avoir et combien nous aurons intimement à les considérer. Quelque chose que, évidemment, les nouvelles technologies mettent en valeur aujourd'hui, avec la circulation de ce qu'il y a de plus rassurant sur les moyens qui nous sont de la sorte donnés de faire connaître les choses et les équilibres, et de plus inquiétant par tout ce que cet ensemble implique de méphitique, et dans la dialectique éternelle de l'adhésion et de la haine, tout ce que cela peut apporter au profit de la seconde, qui est évidemment pour les démocraties un défi dramatique et pour les gouvernants une gêne considérable. Je n'ai pas prétendu, vous avez bien compris, à énumérer l'ensemble des problématiques que nous allons avoir à affronter. C'est un champ immense. Nous le savions d'entrée de jeu. Nous le savons mieux encore après avoir rassemblé avec le conseil scientifique autour de notre très cher Francis Chevrier. Je ne me lasse pas de saluer son amitié, son efficacité, son admirable sérénité pour affronter les événements les plus inattendus. Avec Francis Chevrier, avec le conseil scientifique, nous avons effectivement tâché d'embrasser, vous en jugerez vous-même, je ne dis pas l'entièreté, mais une bonne part des aspects immenses du sujet que nous avons eu l'audace de traiter. J'aurais pour finir le goût de citer Montesquieu. Je suis tombé quelques jours en pensant à notre rencontre sur cette phrase. Il disait: le gouvernement, comme toute chose humaine, pour qu'il persévère, il faut l'aimer. Ça peut arriver quelquefois. Je vous remercie de votre attention.